Oui, 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 il est là, il est beau, Phoenix Wright, le retour, après au moins 2 semaines d'absence, voire même plus pour moi. Et oui, ça fera peut-être 2 semaines ou pas, parce que j'avais gardé un épisode de secours. Bonjour tout le monde, je suis Alex, ça y est, c'est le retour, la suite de cette aventure que je vais finir, enfin. Et alors, je me dois de vous expliquer sans doute pourquoi je dis ça. À ceux qui regarderont sans doute cette vidéo dans le futur, tout simplement parce que mon émulateur, lors du dernier épisode, si vous l'avez regardé, a légèrement ramé. Et en cherchant à savoir pourquoi, bah, j'ai dû recommencer toute ma partie, donc ça m'a bien pris 1 semaine. Mais maintenant, je sais comment éviter ce genre de problème en faisant un truc tout, enfin moyennement simple plutôt. Mais bon, le passé étant le passé. Donc, pour le rappel, oui, donc nous avons découvert, je vais juste vérifier dans le dossier, nous avons découvert que Moni le singe était un connard, la bague de fiançailles qui était retrouvée, qui était retrouvée dans le tas où Moni emportait les affaires, ainsi que un petit flacon de poivre qui a été découvert dans ce coffre ici de 10 kilos. Et nous allons tout de suite aller au centre de Detonfion pour voir comment va Max Galactica. Je fais juste un test vite fait. J'ai l'impression que lorsque je mets le dossier, en fait, la musique ralentit légèrement. D'accord, Nenvasion, tu devrais déjà t'évader d'ici. Tu seras bien recherché. Oui, c'est aussi pour ça qu'il faut pas que tu le fasses. Je pense que demain, in-game, ça devrait le faire. Pourquoi nous mettre une musique triste? Bien, nous devons parler, Maximilien. Je dois t'avouer que ce n'est pas de tout repos d'être avocat. Il y a peu de chances que tu t'en sortes. Sinon, je veux que tu me parles du soir du meurtre. Comment cela, pas facile à faire. Je doute que tu puisses y arriver simplement par la magie. Sinon, qu'as-tu pensé de ma présentation du procès d'il y a 2 semaines? Par respect de leur profession. Le Grand Prix International. La scène internationale. De l'ambition. Je crois pas ce que tu dis. Mais parlez-moi un peu de ce Grand Prix. Youhou, je m'en fous. Tu n'as plus le haut de forme. L'émotion de la réussite, sans doute. Qu'y a-t-il? Oui. Comment cela? Non.
Ça, c'était mes doigts qui craquaient. Je vais pas leur dire ça. C'est ça, en gros, qu'il faut leur dire. Aller en tôle, c'est la vie. C'est comme ça que vous serez connus, les gens. Je parie sur Yvan et Mike. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, nom de Dieu? Ah ouais, ça doit être un peu dur. Je pense. Si tu le dis. Oui, rends-leur la bague là. Voilà, rends-leur la bague. Tu lui as rendu la bague. Oui. Dans ce cas, je vais discuter avec toi sur le mariage, parce que ventriloquisme, je ne sais pas. Tu es toujours une marionnette. Je veux dire, t'es pas Pinocchio. Enfin, pas ce que je sache. Ah bon, c'est pas plutôt le trac, la peur du rejet? Je sais pas. Et dis-moi, parle-moi de ton train de ventriloquisme. Est-ce que ça avance? Ouais. Putain, d'ailleurs, faut que je te montre la photo à la... Faut que je te montre la photo. C'est le Commodore. Non, c'est pas ça. Il a pas tort. Il a pas tort. Alors, dans ce cas, je vais vous montrer la photo, en fait. Merci. J'avais oublié. Présenté. D'accord. Bon, bah, moi aussi. Allons voir le chapiteau. Bon, je tiens à ma vie. Ça existe, les gens allergiques aux poils de tigre? Allons à la loge de Monsieur Loyal qui n'a pas bougé. Je veux ce bout de papier. Je me souviens que ce bout de papier me disait prends-moi. Enfin prends-moi, prends. Enlève-moi de cette page, enfin prends-moi. C'est dégueulasse. Je veux ce papier. Je veux, s'il te plaît, donne-le-moi tout de suite. Maintenant, je veux le bout de papier. Bon, non, il veut pas. Bah, y a rien d'autre. Alors, allons à la cafétéria. Je mangerai bien quelque chose, d'ailleurs. Toujours aussi délabré, cette cuisine. Enfin, cette cafétéria. Oh, tu m'étonnes. Il n'y a personne ici aussi, je vois. Je perds mon temps, j'aurais dû aller au foyer direct.
Je le savais. Et je l'ai pas fait. Ah tiens, t'es là toi. Laisse-moi deviner. Bonne karma. Ah, le clown, oui. Et Von Karma, oui, évidemment. C'est toujours Von Karma. Comment cela? Ah bah oui, vu comme ça. Comment ça? Hein, où ça? Ouais. Je sais plus. Voilà l'acrobate. Oui, nous n'irons pas là-bas. D'ailleurs, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais retourner dans le chapiteau. Hein, surtout, ne pas aller dans la loge d'acrobate. Enfin, de l'acrobate. Bon, il n'y a rien ici. Punaise, je suis en train de faire le tour. Peut-être que je dois débloquer quelque chose avec quelqu'un. Examinons ce que j'ai. Money. Un coffre en bois et un petit flacon de poivre. Trouvé dans le coffre en bois. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je vais te présenter Acro... Bah non, je peux pas. Je sais pas qui est acrobate. Bon, présentons des preuves au pif. C'est pas ça. Très bien. Money. C'est pas ça. Très bien. Un coffre en bois. Ça m'aide encore plus. Un flacon de... Bon, ok, ça... c'est bon, dis-le tout de suite si tu veux pas m'aider. Hein. Bon, alors dans ce cas... Retournons au chapiteau. Rien. Cafétéria. Ah, quelque chose se passe. Mais quoi? Ah, il était là. Oula, oula, c'est sans doute une énigme. Je ne sais pas. Peut-être que Maya aura la réponse. J'ai pas compris. Je n'ai absolument pas compris cette blague. Décevant. Bon, toi, tu vas répondre à ce que tu as vu, nom de Dieu! Oh. Zut alors! Je ne vois pas le duel psychique. Il me faut un duel psychique. Un combat. Comment je peux appeler ça? Peut-être parce que c'est pas drôle? Tiens, je vais te montrer une photo de Grand Prix. Ah bah tiens. Oui, pourquoi?
Oui, évidemment. J'ai pas compris la blague en fait là. Ah bon? Parce qu'il y a autre chose. Le buste. Il est où le... Ah oui, ce buste. Des tranches. C'est bon, on dirait qu'il y a une... C'est un projecteur. Je sais pas, il y a un... Attendez. Le buste est à droite de la photo. J'ai l'impression qu'il y avait un espèce d'œil. Je ne sais pas. Je crois qu'il y avait un truc bleu. Je sais pas si c'était un projecteur. Ça devait être un projecteur. La petite table, il y a rien. Ah bon? Il a disparu. Mais que s'est-il passé? Oh, c'est moche. C'est moche quand même. Quelque chose qui a changé, trois fois rien. Tu te fous de moi, j'espère. Eh ben. Une note. Le titre. Mais qu'est-ce que cela dit, je sais pas. Ah, l'assassin. D'accord, extrêmement grave. Musique, ambiance. Mais qui a fait cela? Mon Dieu, ce manque de respect. Attends, une seconde. Non, pas là. Présenté. Peut-être que si je lui présente sa preuve, il va me dire ce qu'il s'est passé. Une fois. Mais qui est-ce? Je sais pas, les bloquer un truc. Non. Bon. Et si cela était ce qu'il y a dans la poche de Loyal? Je penche pour ceci. Non. Ce n'est pas... A priori, ce n'est pas ça. Étrange que tout cela. Sinon, j'avais entendu de petites, très légères... ralentissements au niveau de la musique à certains passages. J'en suis désolé. Heureusement qu'elles sont quasiment imperceptibles. Enfin, pour moi. Discutons. Ah bah j'ai oublié de parler du procès. Oui, ce que tu as vu, ce que tu as fait. Tu as vu quelqu'un d'autre, j'en suis sûr. Mais je vais me déplacer parce que je m'en fous. Je cherche... Et si j'ai montré ce bout de papier à... Maximilien... Il peut m'aider. Putain, je fais preuve d'une réflexion... assez impressionnante aujourd'hui. Un tour, genre je ne sais pas d'où vient cette expression. Évidemment, tout le reste. Monique.
T'es sérieux là? Genre la queue de pique, je suis allé vérifier deux fois. Est-ce que ce jeu est codé comme n'importe quoi? Bon, admettons que ce soit logique, genre on veut nous mettre au moment de suspense, tu vois, il y a un bout de papier, mais tu peux pas le prendre parce que voilà, tu peux pas. T'as mis du suspense, mais tu sais que tu vas devoir le prendre ce papier. Alors, l'âge de monsieur loyal, la queue de pie. On... Non, tu crois? Putain, tu... Oh, tu m'impressionnes. Vas-y. Attention. Roulement de tambour. Ça marche. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? À l'assassin, j'ai la preuve irréfutable de ce qui s'est passé. On est où? De ce qui s'est passé. Ça doit... ça doit avoir aucun rapport avec le crime. Ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Oui. Développe ta phrase. Ouais, bien sûr, Freezy est plus là. Freezy est un salaud. Je veux changer de partenaire. Et tout de suite. Ok, j'avais fait une promesse à sa sœur, mais là, c'est énervante. Je la loue, je la loue. Ah, monsieur détective, vous êtes là. Qu'est-ce que c'est que ceci? Mais qu'est-ce que c'est? Oui, j'entends. C'est quoi? Pardon? Comment, what? Non, mais reviens. J'entends toujours le bruit. Serait-ce une mauvaise programmation du jeu? Oups. Bonjour Francisca. Comment allez-vous en cette superbe journée? Oh, tu te calmes. Tu sais, t'as déjà essayé de faire ça une fois. Ça a raté. Bon, justement, parlons. Ton grain de beauté, c'est de la merde, je tiens à te le dire. De quelle revanche parles-tu? Je sais même pas de quoi elle parle. Oui, donc tu sais, la personne qui t'a donné... Qui... Voilà, ton père. Je vais pas entrer dans les détails. Le nom de ton père. Bah si, il y a quelques phrases en fait. Comment cela? Mais de qui parle-t-elle? Oh. Mais... Pardon. Mais de quoi parle-t-elle? Fais monter le suspense. Ton père, évidemment. Ok, ça se tient. Ai-je droit à un flashback? Hunter. L'homme qui m'a donné envie de devenir avocat. Qui parlait pour rien dire sur un fond noir. Nous avons été adversaires sur plusieurs affaires. Ouais, sur trois affaires, quoi. Mais après le verdict de ce fameux procès.
Il a disparu. Comment ça a disparu? Excusez-moi. Comment... Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Ah, est-ce que j'ai vraiment envie d'en parler? Oui, alors en fait, entre disparaître et laisser une marque comme quoi je vais mourir, c'est peut-être plus perché, tu vois. Ça veut dire, ma carrière, le nom Benjamin Hunter en tant qu'avocat est mort. C'est pas du tout vrai. D'ailleurs, je vais faire la même chose avec toi, hein, tu vas mourir aussi. Je t'ai à te le dire. Hein. Bon, c'est un peu l'espoir, mais tu vas sans doute mourir après. Ah, pas sans doute après ta défaite. Bon, ta vie c'est de la merde. On va quand même parler du procès de demain. Hein, tu as tout trouvé. Wesh, en même temps, t'es une bonne karma. Qu'est-ce que tu veux que je devine de plus? D'accord, ça m'aide pas, je tiens à te le dire. Oui, fais-moi des promesses en l'air. On n'en parle pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pose pas la question. Ok? Combien de fois tu as dit ça? Ah oui, fais-moi les promesses en l'air. Oui, nous allons l'interroger. Ce n'est pas de ta faute, ce sont les souvenirs. Bonjour, le chargeur acrobate, toi tu es sans doute un indien, t'as des gueules. Ce n'est pas du tout un stéréotype. Oui, comment le sais-tu? Oleg Loche. Ouais, attention. Oleg Loche. Je ne saisis pas le jeu de mots. Je ne saisis pas le jeu de mots quand même. Ah bah oui. Oh. Pourquoi? Dis-moi un peu plus sur ce fauteuil roulant. Ah. Ah bah oui. Comment? Cela sent le mensonge. Je ferai ça plus tard, je ne pense pas avoir ce qu'il faut. Mais le combat psychique va approcher. Et scellera ton destin. Bon, monsieur Loyer était en forme, cet homme est très gentil. Ah oui. Ah, j'en suis navré. Sans doute. Oh. Oh, une question un peu rapide. Ah. Ce qu'il a vu. Mais
Qu'est-ce que tu as vu? Comment cela? Un bruit. Ah bah oui, évidemment. Une ombre. Oh, magnifique image. Alors attendez, j'essaye d'examiner la photo. Maximilien. Comment peut-il être possible? Comment cela est possible? Ou enfin, t'avais vu une ombre. Bon. J'aimerais te présenter des choses. Notamment cette note. Ah, tu ne sais sans doute pas, c'est une note. Oui. Elle. Ah, Monique. Parlons-en de Monique. T'as pas l'air de l'aimer. Oh. Ah. Oui, c'est vrai. Ça doit être ça. Oui. Oui, pardon. Oh. Bon, bah, je vais pas te retenir, tu me fais peur, je vais parler à Monique. Tout cela est bien mystérieux. Allons voir, Monique. Bon, vous êtes toujours là, ça répète fort votre... votre répétition secrète, hein. Bonne chance, hein. Est-ce que Monique est là? Est-ce que Monique a la décence de venir? Non. Mais c'est son tigre. Ça y est, je remords. Je remords, ça y est, je suis remords. Non, tu es encore là. Une erreur. Tu parles du singe, n'est-ce pas? Je vais te parler. Parle-moi de ton père. Bah ouais, quand même. T'es sûr de ce que tu dis? L'expression faciale que tu as lorsque tu... Oh. Pardon. Ah, t'es jeune et innocent. C'est jeune et con qu'il faut me dire. Oui, si tu pars de cet avis, eh bien... Bon, déjà tu es une étoile, mais dans un autre sens. Ouais. Faut pas chercher, doit être atteint d'un choc physiopathologique dû à la mort de son père. Laisse-moi deviner. Oh putain, c'est un costume. Nom de Dieu. Oui, je n'en doute pas. Oh non, Maya. Quand même pas. Des paillettes. Des trucs qui brillent. Alors attends. Alors attention, je vais retraduire les réponses. Réponse 1, oui. Réponse 2, oui. Réponse 3, oui. Il y a tellement de choix. Je sais pas lequel prendrait. La réponse B. Bon bah voilà, c'est même pas moi qui réponds d'ailleurs. Bon. Vous avez débloqué une quête secondaire pour l'épisode. Vous êtes trop con.
foyer. Bon, je pense... Peut-être dans l'âge de frisé. Non. Loge d'accro alors. Merde, j'ai fait foyer. Loge d'accro, j'ai dit. Nom de Dieu. Si je te présentais Moni le singe. Si tu le dis, bon, il est pas là. Il n'est pas là. Peut-être qu'en demandant des informations sur Moni, à Monique. Ça me semble une bonne idée. Non, l'autre côté. Parle-moi de Moni le singe. Tu m'étonnes. C'est une blague. C'est une blague. C'est un gros chaton. Bon, même pire d'ailleurs. Bon, je vais me déplacer. Allons à la cafétéria. Il n'y a personne à la cafétéria. Je vais continuer de te présenter des preuves. Peut-être vais-je débloquer quelque chose. Ah bah oui, toi je te l'ai pas montré, la photo du Grand Prix. Non. Si tu veux, je te donnerai des choses pas très légales. Ah, la note évidemment. J'ai complètement zappé. Zappé. Pardon. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu viens de dire, espèce de blonde? Si vous êtes blonde dans le public, je ne vous ai absolument pas visé. Je parle juste de ce stéréotype de merde qu'ont les Japonais avec les Français blondes. Pardon, excuse-moi. Ah! Pardon? Commence. Une seconde. Attends, est-ce que tu as eu au moins la décence de lire ce qu'il y avait sur cette note? Très très bien. Voilà, ça explique déjà pas mal de choses. Je vais devoir donc faire une petite discussion avec Accro. Accro, je vais devoir t'en coller une. Tu as des choses à me dire. Accro. Bon, Accro, faut qu'on parle. Voilà. Bon, d'accord, il s'en fout. Oui. Mais, ah, au fait, ça, tu sais ce que c'est? Ah, oui, évidemment. Voilà. Ah, zut. Bon, continuons à explorer. Ah, ça passe enfin à quelque chose. Il est pas là. Oh, toi, je te tiens. Oui, je m'en souviens. Bon. C'est parti. Sarah, mais désolé. Coucher. Je vais mourir, ça y est. Le combat titanesque d'un homme contre un singe. Ça a très légèrement ramé pendant une petite seconde sur l'écran de choix.
Mais c'est bon, ça va. L'ensemble de jeu ne me fait pas une grosse connerie. Voilà, voilà. Je parie que c'est trop petit. Ha, lol. Ah ouais, ça veut dire que t'es grosse. On va nous rendre ce costume à Monique. Alors Monique, je vais rendre ton habit. Fais voir. Je l'ai brillant étoilé, pas du tout la taille de Maya. J'adore le pas du tout. Au moins là tu sais que Maya ira jamais dans ce costume. Oui, mais alors est-ce que tu peux en... non. Non, 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 non. Tu n'es pas mon genre, j'en suis désolé. Peut-être à cause de ces paillettes qu'il y a autour de tes cheveux. Je parie que c'est du sur-mesure. Léon. Pardon. Mais qui est Léon d'ailleurs? Mais j'en sais rien, moi, de qui c'est d'ailleurs. Parle-moi de Léon, s'il te plaît. Tu peux être gentil. Voilà. Je sais. Ce n'est pas une image photoshopée. Ce n'est pas du tout une image d'un lion qu'on a recadré et qu'on a fait en sorte que ce soit vrai. Ceci n'est pas une image qui existe dans la vie réelle. Ce n'est pas du tout une image qui n'existe. Pardon. Ouais. Un instant, oui d'ailleurs, bah maintenant tout le monde le fait. Mais au fait, qu'a-t-il fait de si mal? Hein? Est-ce que tu peux le dire autrement qu'avec cette expression faciale? Eh bien, j'en sais quelque chose. Alors, je vais me déplacer. Allons voir la cafétéria. Ah, il se passe quelque chose. Là, c'est frisé, alors. Ah mais si, mais alors pourquoi t'allais prendre un burger si tu l'es fait? Si tu le dis. Bon, Frisé, j'aimerais te poser, enfin j'aimerais te reposer des questions. Voilà, on m'a parlé d'un accident qui s'est passé avec un tigre. L'histoire d'un croc. Oh. Oh. Tu le penses vraiment? Oh, c'est une grande décision, Frisé. Pardon? Excuse-moi? Excuse-moi, tu viens de dire quelque chose. Oui, sans doute. Frisé. Est-ce que tu me mens? Voilà. Frisé, tu me caches quelque chose. C'est l'heure du duel. Je pense qu'un jour, si j'ai le temps, je vais faire
comment ça s'appelle, un mini poop à chaque fois qu'il y aura un duel psychique. C'est-à-dire je vais mettre un tout petit bout de vidéo. Je pense que ça pourrait être intéressant. Voyons. Le Megatana. It's time to do. S'en remettre. Ce qu'il s'est passé il y a 6 mois. Je pense savoir ce qu'il s'est passé il y a 6 mois. Est-ce que... Léon en serait la cause. Il a commis une erreur pendant une répétition, n'est-ce pas? Tu m'étonnes. Qui s'est fait mordre? Frisé. Qui s'est fait mordre? Vous avez promis. Ça le concerne. Veux-tu parler? D'acrobate. Enfin, de accro plutôt. Eh bien, ça blessera Jean, sans doute. Qu'est-ce qui est arrivé à Loïc? Le combat est terminé. De quoi parles-tu? L'accident. Tiens, d'ailleurs, vous allez voir tout de suite ce que je vais faire. Hop. Ah bah oui. Ça expliquait aussi pourquoi ça... ça ramait. J'ai légèrement changé le frame skip, ce qui fait que normalement devrait plus, il devrait y avoir encore moins de ralentissement. Mais qui était son lien avec Acro? Son frère? Oh mon dieu! Ils ont tué le frère d'Acro. Donc il s'appelait Bat. On va dire qu'on s'en bat les steaks. Merci pour cette blague de merde. Une blague digne de Frisé. Pardon? Alex Loche? Non, je ne sais pas. Pardon? Mais qu'a-t-il fait? L'accident. Étrange. Pardon, on aurait dit qu'il souriait. Ah mon dieu. Pixelisant et rendant le fond de l'image rouge puis noir. Un sourire sarcastique. Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Un lion sarcastique, un assassin volant. Mais pourquoi? Ne me semble pas. Tu m'étonnes. Ah bah oui. Ce qui s'est réellement palé. Voilà, ce qui s'est réellement. Mais oh! Du poivre? Du poivre? Du poivre? Ah mon dieu! J'ai tout compris. J'ai compris pourquoi Léon souriait. C'était évident. J'ai la preuve, mais je n'ai pas le coupable. Il est temps de voir Acro.
était fait l'un pour l'autre, comme Kishik. Ah lol. Mais soyons sérieux. Il est temps de voir Accro. Cette révélation me choque. Ah, ça veut dire qu'il y a un dialogue, ça veut dire que j'ai tout ce qu'il faut pour le duel. Il sait que nous savons qu'il savait, qu'il sache que tu savais, qu'il sut que nous sachions que c'était un lion. C'est l'heure du duel. It's time to do. C'est entre toi et moi. Comment es-tu blessé? Oui, je pense, un accident pendant l'entraînement, certes, mais... Tu mens. Pourquoi le caches-tu? Ne serait-ce pas à cause de... cette personne? Il y a 6 mois, le lion vous a attaqué. N'est-ce pas? Oui, exactement. Oui, c'est certes, c'est vrai. Tu as plutôt lutté avec ce lion. Exactement, parce qu'il y avait la vie de quelqu'un en jeu. Et ce quelqu'un était autre que ton frère. Mbat! Tu l'as sauvé. Il n'en reste plus qu'un. Oui. Non, désolé au passage. Un lapsus, certes. Il a dit quelque chose comme ceci. Une équipe formidable. Une carrière brisée en même temps. Cela est étrange, n'est-ce pas? Certes. C'est la faute de personne, n'est-ce pas? Je sais, tu n'as pas tout dit. Peut-être qu'une personne vous avait du mal à accepter, vous pousse à rester vague. Cette personne, c'est celle que tu as toujours haï. Monique! Elle est innocente et cruelle. Non. C'est vrai. Certes aussi, mais... tu détestais Monique, et j'en ai la preuve. Ce n'est peut-être pas elle qui a tué ton frère. Mais j'ai ce qu'il lui faut. Cette preuve, c'est même toi qui lui as donné. Ce n'est autre que cette note. Le combat est fini. Je te l'ai montré, putain. C'est même elle qui l'a ramené. Ces deux phrases m'ont mis la puce à l'oreille. Tu as perdu. C'est l'heure de la vérité. Un pari. Un pari encore plus con que d'habitude. Ok, c'est un pari stupide, je l'accorde. Mais vraiment con. Ça aurait été un mariage, j'aurais pas dit la même chose. Il y avait du challenge et de l'enjeu, tu vois, mais bon. Ah! Ah bah là, oui! Ce jour-là,
Oui. L'accident, c'est vrai. Passer un bon moment avec une personne que l'on aime. Je le pense, Orion, c'est pas drôle. Évidemment. D'accord. Mais parle-moi plutôt de la relation de Monique et Bat. Je déteste Monique. Je l'ai vu dès la première fois que c'était une pas douée. Qu'est-ce que c'est? Écharpe. Mais il y a du sang! Sur une seule partie, étrange d'ailleurs ça. Monique. Je demande à ce que des analyses soient faites. Parce que là, je suis en train d'établir un truc complètement barré. Ouais, Qui parle? Et j'ai une théorie de fou là, mais il faut qu'elle soit vérifiée. Ok, alors je te la remets, mais d'abord tu me la rends, et ensuite tu fais des analyses dessus. Je crois que tu as perdu d'avance d'ailleurs. Oui, je sais, c'est lui, bla bla bla. Je suis en train de deviner tout ce que le jeu va faire. C'est l'énigme était trop simple. Mais tellement compliqué à la fois. Non. Il s'emboîte, mais il reste une question. Qui l'a tué? Je suis en train de te dire. Je suis désolé, mais juste poivre. Léon, Foulard, je suis sûr qu'en faisant un mix des trois. Ah, mais il faudrait des analyses poussées, ça me fait chier, je peux pas le faire. Bref, j'espère que le retour de Phoenix Wright vous aura plu et je promets que je vais finir ce jeu, que je m'excuse et que je vais en faire plein d'autres. Sur ce, le mieux, comme d'habitude, des commentaires, des likes, les pouces verts, de tout ce que tu veux. De partager, de liker, de t'abonner à YouTube, de me suivre sur Twitter. Et n'oublie pas, le jeu c'est important. Bon jeu et à la prochaine.